Salut les curieux, c'est Lionel. J'étais dans le centre de chez Electronic cette année. Je vous parlais de la vidéo que vous êtes sur le point de regarder. Donc l'idée, c'était de partir d'une vidéo d'animaux et puis de créer un son à partir de ces images. La première étape pour moi, ça a été de filmer des animaux, donc des poules en l'occurrence, et je les ai filmés au ras du sol et au ralenti, ce qui leur donne un aspect gigantesque. Pour commencer, j'ai créé un pluck à partir d'un sample d'oiseau que j'ai trouvé sur le net. Je l'ai mis dans un granulator. Et avec un LFO, j'ai modulé la position de la tête de lecture pour avoir un aspect un peu changeant. À chaque fois que les poules picoraient, il y avait ce pluck qui se jouait. Et chaque poule avait une hauteur de son différente. J'ai ensuite mis une deuxième couche de pluck. Je les ai un peu décalées dans le temps pour qu'elles arrivent juste avant le pluck pour faire une petite montée. À plusieurs moments de la vidéo, on voit donner des graines aux poules. Et je me suis dit, qui dit graine dit... Graine. Grain, évidemment. J'ai donc pris un sample et je l'ai fait passer dans un granulator. Et avec une attaque et un release très court, ça permet d'avoir cet aspect tout ou rien super rapide. J'ai ensuite voulu synchroniser les mouvements de cou des poules avec un son que j'ai créé sur Wavetable. Pour les drums, je me suis dit « qui dit poule dit... » évidemment, donc j'ai pris des œufs et j'ai tapoté ou j'ai cassé pour faire les sons percussifs. Au début et à la fin de la vidéo, on entend un son que j'ai créé avec un sample donc issu de la vidéo que j'avais pris, c'est là où une poule caquette. Je l'ai mis dans un sampler. Cela était bien beau, mais ça manquait cruellement de bass jusqu'ici. J'ai donc ouvert mon Wavetable et j'ai commencé par un oscillateur avec une forme d'onde assez basique. Mais on voit ici que j'ai rajouté des harmoniques sur ma forme d'onde. Je voulais qu'on puisse dire de ma basse qu'elle est folle, donc j'ai rajouté un LFO qui va moduler ici cette valeur pour modifier le nombre d'harmoniques, cet LFO étant en tout ou rien, donc ça donne un aspect un peu rebondissant. Ensuite j'ai arrangé tout pour que ça reflète la vidéo, dans laquelle il y avait un peu trois parties séparées par une poule à chaque fois qui vient au premier plan tout gâché. Voilà, j'espère que vous allez kiffer. Je vous laisse écouter tout ça. Bisous. Vous êtes-vous déjà demandé ce que peuvent bien faire les poules quand nous avons le dos tourné? Surtout les graines que les fermiers leur donnent tous les matins.